sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. À la une de cette édition, clôture aujourd'hui 2 juillet 2024 de l'année scolaire édition 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. Nous irons au complexe scolaire Grain des Génies dans la commune d'Ngiringiri pour vous faire vivre en image la clôture de l'année scolaire dans cette partie de la capitale. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. La fête nationale de la RDC continue de faire l'actualité. Les perspectives économiques sont bonnes pour la République démocratique du Congo malgré les défis sécuritaires énormes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a souligné lors de son discours la veille du 30 juin. En voici un extrait. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 reste globalement favorable malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais soutenu par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit entre autres de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerais contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. À l'Assemblée nationale, le débat soulevé en plénière par les députés nationaux Ngoï Kasanji et Paul Tshilumbu sur les difficultés de fonctionnement de la Caisse nationale des péréquations n'a pas laissé indifférent les bureaux de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamere a échangé avec une délégation de cette structure de l'État. Anim Balaka nous en dit un peu plus. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu des Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif.
Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Pour matérialiser les fondamentaux dans ce réseau, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans les plus brefs délais d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes de solutions pour la réussite de ce processus. Il est à noter que ce réseau est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs des provinces, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. Direction Sud-Ubangui à présent, la jeunesse de cette province appelée au patriotisme et à la vigilance contre les ennemis du pays. L'appel est du député national Pierre Nienemo Sangouma. C'était en marge de la fête du 30 juin. Robert Ndaye, reportage. Diagnostic, évaluation sans complaisance de la jeunesse du Sud-Ubangui, c'est 30 juin 2024, date de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Sultani Hôtel de Kinshasa. Au cours d'un déjeuner d'échange, l'honorable Pierre Nienemo Sangouma décide d'aller en guerre contre les maux qui rongent sa province natale, les Sud-Ubangui, et fait un diagnostic de choc. Il appelle la jeunesse du Sud-Ubangui à un sursaut patriotique. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élu du Sud-Ubangui condamne la déstabilisation de la République démocratique du Congo par les pays voisins et dit non à la balkanisation. Les jeunes sont appelés à barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo. On a des leçons à journal, jeunes, il y a moins à faire venir, jeunes. Les enfants du Sud-Ubangui sont intelligents, sont des travailleurs. Je les invite à travailler pour la nation. Ceux qui ont pris l'indépendance de ce pays étaient des jeunes comme eux. Nous citons Patrice Emery Lumumba. Soyons unis et mets dans la main, travaillons pour le développement de notre cher et beau pays. Il fallait tout bon terre. Alors, Bato Yobazan a pouvoir. Na énergie à Kumisambo Kawana Eza ba jeune. Pierre Nienemo Sangouma appelle le jeune à ne pas tomber dans les pièges de la manipulation de ceux qui veulent freiner l'élan du développement engagé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un appel pressant est lancé pour que les jeunes du Sud-Ubangui prennent en main leur destin. Ce déjeuner d'échange a permis aux jeunes du Sud-Ubangui de faire de propositions concrètes pour le décollage de la province qui manque de tout. Vous le savez peut-être, la session ordinaire de mars s'est clôturée la semaine dernière aux assemblées provinciales. Dans ce journal, nous vous proposons ce qu'a été la cérémonie de clôture au sein de l'organe délibérant du Sud-Ubangui. L'Assemblée provinciale du Sud-Ubangui, la session ordinaire de mars consacrée essentiellement au contrôle parlementaire, les rideaux sont tombés ce lundi 1er juillet 2024. La plénière de clôture présidée par l'honorable président Dr. Martinien Gandakwe Matingi était rehaussée de la présence du gouverneur de province entrant, le révérend pasteur Mobonga Lobomiché, du vice-gouverneur entrant, le professeur Jean-René Galekwa Vundwawe, des ministres provinciaux du gouvernement provincial sortant et de quelques invités de marque. Dans son discours de clôture, le speaker de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangui a rappelé d'abord les dispositions légales y afférentes avant de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il convient de noter que le président de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangui a porté à la connaissance de l'assistance le travail des titans abattu par ses collègues députés avant de demander au gouverneur de province, Maître Mobonga, de ne pas nommer dans son gouvernement des gens qui viendront apprendre au sommet de l'État et d'éviter de céder au clientélisme. L'Assemblée provinciale exhorte le nouveau gouverneur investi par le président de la République de prendre tout à fait ses sens. Une mesure tendant à instaurer dès cette semaine un service minimum au service des DGSI et ordonner
un audit financier afin de dégager les responsabilités avant de mettre en place un nouveau comité et une nouvelle administration qui seront non seulement issus des négociations politiques, mais plutôt d'un recrutement officiel conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État en République démocratique du Congo. De même nature dans la province du Tanganyika, images et commentaires. Ça n'est complètement fini pour la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Selon du 1er juillet, plusieurs personnalités, dont le vice-gouverneur Ferdinand Massamba Omar Samba et différentes couches de la population, ont assisté à la cérémonie de fermeture de cette session dans la salle des plénières de cet organe délibérant en province. Dans son mot de clôture, l'honorable Cyril Kimpouawel, président de cette première institution, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat engagé en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour avoir hissé à la primature, pour la première fois de l'histoire du pays, une dame faisant de lui un véritable champion de la masculinité positive. Je réitère, à la même occasion, toute ma déférence à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui déploie ses efforts inlassables pour la restauration de la paix. Je saisis l'opportunité de saluer chaleureusement la nomination pour la première fois de l'histoire de notre pays d'une dame au poste de Premier ministre à la personne de Madame Judith Soumi Nwatuluka, traduisant ainsi tout l'engagement du chef de l'État de hisser la femme dans les sphères de prise de décision et faisant de lui le véritable champion de la masculinité positive. Fort du travail des titans abattus au cours de cette session, l'honorable Cyril Kimpouawel présente ses vives félicitations aux honorables députés pour la solidité dont ils ont fait montre dans tous les travaux parlementaires. J'adresse également mes vives compliments à vous, élus légitimes du peuple, pour la solidité dont vous avez fait montre pendant toute la session ordinaire de mars 2024, laquelle la solidité traduit un sens élevé de votre responsabilité et de la conscience que vous avez de ce que notre peuple attend de ses représentants au sein de l'Assemblée provinciale. L'envol de la province du Tanganyika étant tributaire de la collaboration entre l'Assemblée provinciale du Tanganyika et le gouvernement provincial, le président de cette première institution en province rassure la population de l'engagement de ces deux institutions à œuvrer dans un climat de parfaite entente. Autre chose, après son investiture en tant que gouverneur du Haut-Touélé par l'ordonnance présidentielle, l'honorable Bakomito Gambou vient de regagner sa province. C'était hier lundi 1er juillet 2024. La population lui a réservé un accueil chaleureux. Damas Sessolé, reportage. L'aéroport national du Siro-Matari, noir du monde, ce lundi 1er juin 2024, toutes les couches de la population venue des quatre coins de la province du Haut-Touélé se mobilisent dans une liesse indescriptible pour réserver un accueil digne de son rang à celui qui désormais porte les espoirs de tout un peuple, l'honorable gouverneur Jean Bakomito Gambou. Pour accueillir papa Nabiso gouverneur, papa Jean Bakomito Gambou. Ça a été annoncé officiellement de l'arrivée de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur Jean Bakomito Gambou. Il est 16h04 local lorsque l'avion qui transporte celui que l'on appelle affectueusement Mwana Nzambe se pose sur le tarmac. Bouquet de fleurs accueilli par son vice Christophe Daramatata et sans suite, honneur de la police, tout était au rendez-vous. Un bed-foule hors du commun cède la place à un cortège interminable qui parcourt les grandes artères du centre-ville, drainant ainsi une marée humaine au crépuscule du soir. Jean Bakomito Gambou ne cache pas sa satisfaction. Je voudrais remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma personne. M'investissant gouverneur de la province du Haut-Touélé, nous sommes là pour travailler suivant sa vision et sur les directives qu'il nous a données. Nous ferons tout pour répondre aux attentes de la population. Ils sont là nombreux, les fils et filles du Haut-Touélé.
les merci, mais aussi aux députés provinciaux qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance. Je suis là pour rassembler, pour appeler les uns les autres au travail, pour qu'ensemble nous puissions consolider les acquis, corriger quelques erreurs éventuelles, construire là où il faut construire. Et... Pendant ce temps, les membres de la communauté Tété La Vivant en Ituri s'engagent à œuvrer ensemble avec les communautés ituriennes pour la paix et la cohabitation pacifique dans cette partie du pays. Les membres de la communauté Tété La Vivant en province de l'Ituri s'engagent à conjuguer leurs efforts avec les communautés sœurs de cette province dans la recherche de la paix, restauration de l'autorité de l'État, sécurité et cohabitation pacifique. C'était à l'occasion de la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'ils ont dédié au héros national Emery Patrice Lumumba, membre de leur communauté, rapporte Lolengola Guillaume, président de cette communauté en province de l'Ituri. C'est le 64e anniversaire de notre indépendance. Nous avons souhaité être ensemble avec les communautés sœurs et surtout les communautés de la province de l'Ituri qui nous ont accueillis dans cette province qui est devenue une deuxième province pour nous, du Centre-Kourou. Vraiment, nous avons de bonnes impressions et ce n'est que des sentiments de joie que nous avons maintenant. Nous ne devons que nous unir ou accompagner nos frères et sœurs de la tribu et de la province de l'Ituri afin que tous nous puissions revivre la paix d'attente ou encore les soutenir dans les combats pour pouvoir ramener ou recouvrer la paix dans la province de l'Ituri. Célébration faite ensemble avec les autres communautés dont Bira, Hema, Nandé et autres comme signe d'amour et dignité, prôné par Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, président de la République, pour bâtir un Congo fort, prospère et uni. L'Ituri traverse un moment troublant d'insécurité dont la conjugaison des forces de tout et chacun, dont des communautés, s'avère indispensable. En province, la direction provinciale de la DGRAD province du Kasaï à l'heure du numérique, Tshikapa, chef-lieu de province, a abrité la cérémonie officielle du lancement du logiciel Logirad conçu pour dématérialiser le processus de taxation et d'ordonnancement. Franklin et Claire Kalombo nous en dit un peu plus. Initié par le ministre des Finances à travers le projet gouvernance financière avec l'appui de l'Union européenne, cette activité est la suite logique du vœu émis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir la République démocratique du Congo maximiser de manière optimale les ressources du trésor public grâce à la digitalisation du processus de mobilisation des ressources financières du trésor public. Cette migration du manuel vers le numérique que nous célébrons ces jours couronne les efforts que mènent sans cesse les autorités au pays avec bien sûr l'appui des partenaires en vue de moderniser notre administration. Elle met ainsi la croix sur l'émission manuelle des notes de débit et de perception, donnant droit aux opérateurs économiques d'obtenir des notes informatisées. Il s'est de préciser que ce basculement du manuel au numérique concerne dans un premier temps six services d'assiette, en l'occurrence le mine, l'environnement et développement durable, les hydrocarbures, les postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, les directions générales des migrations et les affaires foncières. Au nom du projet gouvernance financière, je vous invite tous, la direction provinciale de la DGRAD, tous les services d'assiette ici concernés à ce basculement sur l'utilisation à la plateforme Logirad. Rappelons que l'effectivité du Logirad intervient 2 mois après la formation en avril dernier des agents, taxateurs et ordonnateurs des services ciblés. Et la DGRAD de Nord-Kivu, elle, dispose d'un nouveau directeur provincial intérimaire. Il a été installé hier lundi 1er juillet 2024. Images et commentaires. C'est ce jeudi 13 juin 2024 qu'ont eu lieu les différentes cérémonies de remise et reprise pour les membres du gouvernement souminois. Parmi eux, Maître Marc Ekilali Kombo, qui avait pour ce jour à sa charge 2 importantes cérémonies.
d'abord au niveau de la formation professionnelle son nouveau portefeuille, puisque reconduit au sein du gouvernement de la République. L'événement a lieu à l'immeuble Kassai dans la commune de la Gombe. Ici, arrivés quelques minutes plus tôt, les deux personnalités ont eu une discussion à huis clos avant de rejoindre l'assistance dans la salle de réunion du premier niveau sous la supervision du secrétaire général AI. Puis il a été procédé à la lecture et la signature des procès-verbaux et l'échange de signataires. Dans son allocution, Antoinette Kipoulou a félicité le ministre entrant pour sa nomination avant de l'inviter à consolider les acquis. Ayant pris la parole, Maître Marc Kila s'est dit heureux de poursuivre les chantiers hérités dans le secteur de la formation professionnelle, tout en reconnaissant le travail abattu par son prédécesseur, qui partout, à l'exemple, lors des conseils des ministres, n'a cessé de plaider en faveur de ce ministère. Le nouveau ministre de la formation professionnelle a souligné les grandes lignes de l'action qu'il attend dans ce secteur, tout en exhortant les membres de cabinet qu'il a trouvé de rester chacun à son poste et privilégier l'intérêt du Congo. En début de soirée, du même jeudi 13 juin, le tour était venu à Maître Marc Kila de céder son fauteuil de ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement. Ce grand portefeuille est désormais une vice-primature avec comme nouveau locataire le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cours d'une cérémonie en présence de la vice-ministre sortante Séraphine Kiloubou, sous la supervision de Jean-Marie Abolia, secrétaire général au transport, ainsi que les membres de cabinet sortants, les deux personnalités ont d'abord eu un tête-à-tête à huis clos, puis se sont dirigées dans la salle de réunion où elles ont signé le procès-verbal de remise et reprise après lecture de l'ordonnance de nomination. Le ministère des Transports, comme j'aime le dire, c'est 8 ministères dans un ministère. Parce que vous avez 8 sous-secteurs. Et chaque sous-secteur, je vous rassure, correspond à un ministère entier. Et vous avez beaucoup de projets aussi à finaliser. Je vous lègue une administration en paix. Je vous souhaite bon travail. Séance tenante, le portrait du nouveau patron du secteur de transport déjà imprimé lui a été présenté. Un cadeau qui ne pouvait que ressortir un grand sourire à son bénéficiaire. Après une passation officielle de pouvoir, après également la prise de possession de ses nouveaux bureaux, le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, a immortalisé cet événement avec une photo de famille qui restera historique. Et après 3 ans de travail accompli au ministère de Transport, de vice à ministre AI puis titulaire, Maître Marc Kila, désormais ministre de la formation professionnelle, peut quitter tête haute l'hôtel du gouvernement pour de nouveaux challenges au service de la nation au sein du ministère de la formation professionnelle. Dans la province de la Tchopopole, Lendongolia a pris officiellement ses fonctions en qualité du 5e gouverneur élu de la Tchopo après la cérémonie des remises reprises. C'est ce vendredi 28 juin 2024 que Paulin Lendongolia Lebabonga a pris officiellement ses fonctions en qualité du gouverneur élu de la Tchopo, ce devant les autorités politico-administratives, les membres de son cabinet ainsi que les militantes et militants des partis politiques de l'Union Sacrée. Tout est parti de la lecture de l'ordonnance présidentielle instituant les gouverneurs et les vice-gouverneurs, suivi de la prise de l'étendard et autres insignes du pouvoir. Occasion tout indiquée pour le chef de l'exécutif provincial de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir fait de lui le 5e gouverneur en signant son ordonnance. En ce jour béni dédié, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour tous ses biens en faveur de ma personne et de mon colistier devenu aujourd'hui vice-gouverneur. C'est ici également pour moi l'occasion de rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour notre investiture en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Tchopo et ses directives nous adressées pour la meilleure gestion et le développement de notre province. Un moment mis à profit par Paul Lendongolia de présenter son vice-gouverneur Didier Lomoyo-Iteku qui va l'accompagner durant son mandat. Signalons que les chefs coutumiers de ce territoire présents à cette cérémonie ont versé de leur bénédiction ancestrale sur Paul Lendongolia, 5e gouverneur de province de la Tchopo.
En Bandaka, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Désiré Iolo a remis des motos aux membres de son parti politique. L'élu de Mbandaka a avant toute chose fait la restitution à sa base de la session parlementaire qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale. Cela dans le cadre de la rédévabilité afin de recevoir les désidérata de ce dernier. Effectivement, je suis dans le cadre de mes vacances parlementaires. Je fais la restitution à ma base, comme nous recommande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, vous voyez, le fonctionnement d'un parti politique requiert beaucoup de choses. Il faut se déplacer, il faut aller sensibiliser les gens dans plus de 10 km, 15 km. Alors si on n'a pas de moyens de mobilité, comment aller faire pour sensibiliser nos bases qui sont loin de la ville de Mbandaka? Et j'ai pu amener le moto pour mon parti, c'est pourquoi vous avez vu, je suis en train de doter ma fédération Équateur 1. L'honorable Désiré Iolo Bagnafia, surnommé élève du maître, Sissa Bidimbo, n'est pas venu main vide. Pour la mobilité de différents responsables des structures du mouvement de libération du Congo, MLC Équateur, il leur a doté de motos pimpon neuves. Bienfait n'a jamais perdu. L'élève du maître, Désiré Iolo, réitère sa détermination de toujours défendre les intérêts de la population de l'Équateur. Autre chose, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a continué à partager sa vision avec les entreprises du portefeuille. La SNCC, Metrokin et Finance sont sortis rassurés de l'avenir. Edith Chala, reportage. Sa détermination ne faiblira pas. Le ministre du portefeuille a un agenda pour ce secteur, levier de l'économie nationale. Jean-Lucien Boussa Tongboa communique sa vision qui porte sur quatre piliers. La participation des entreprises du portefeuille de l'État à la croissance économique, la création d'emplois, le développement des infrastructures et le développement social, avec la délégation de Metrokin, conduite par son président du conseil d'administration, Constant Omari. Les attentes sont immenses. Nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes venus avec nos partenaires, l'AFC et puis Alstom. La réunion a tourné autour de la réalisation pratique et l'appui du gouvernement face à ce projet, face à ce méga projet qui va changer l'architecture de la ville de Kinshasa. Et nous avons pu obtenir, de son excellence monsieur le ministre, l'engagement et l'appui. Un autre géant du transport multimodal en République démocratique du Congo a été écouté le ministre du portefeuille, la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, amenée par Longangé, son président du conseil d'administration, est bien conscient de son rôle sociétal. Nous avons reçu de nouvelles orientations et les problèmes qu'on avait et nous avons été agréablement surpris puisque il y a certains problèmes qui trouvaient déjà des solutions avant que nous le posions. La délégation de Finalog a également été reçue par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongboa pour la même cause. Nous sommes mardi 2 juillet 2024 et c'est la fin de l'année scolaire édition 2023-2024 à travers tout le pays. Chimène Dondo nous amène au complexe scolaire Grain de Génie dans la commune d'Ingiringiri et nous fait vivre en images la clôture de cette année scolaire. Une année scolaire 2023-2024 laborieuse pour les uns, enrichissante pour les autres. Pour ne pas faire abstraction des connaissances acquises, certaines écoles à l'image du complexe scolaire Grain de Génie, ont offert à l'assistance, parmi lesquels quelques autorités municipales, de scénettes, récitations et poèmes. Ces moments qui inaugurent le début de vacances a été également une occasion pour la promotrice de cet établissement scolaire, Nangana Mafuta, de réaffirmer son engagement dans l'éducation et apprentissage de l'élite de demain. C'est la première fois que nous avons organisé le système de colonies de vacances. Alors, moi je suis parent, je sais comment ça se passe pendant les vacances. Il y a des enfants qui sont là à la maison juste pour envoyer des fois les parents. Alors, 10 jours seulement, envoyez vos enfants. Ça sera seulement pour 10 jours.
envoyez vos enfants, surtout les enfants qui dérangent trop à la maison, amenez-les ici. Ils vont apprendre beaucoup de choses. Les parents, vraiment, je manque même des mots. Qu'est-ce que je peux utiliser si ce n'est pas vous remercier durant toute cette année 2023-2024 qu'on a passé ensemble. Il y a eu des caprices, il y a eu beaucoup de situations, mais nous avons réglé ça en famille au sein de l'école. Merci beaucoup encore. Bisous. À vous tous. L'éducation, l'un des piliers du programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est porté par cette école de Kinshasa qui forme des brillants élèves. Un livre sur l'intériorité de langues africaines vient d'être présenté officiellement, c'était le dimanche, au Musée national. L'ouvrage fait la promotion de la culture africaine inféodée par l'occidentalisme. Pourtant, ces langues africaines pouvaient servir de vecteurs pour le développement de l'Afrique, nous dit Rodé Panda. Origine bantou des langues occidentales, c'est le titre de cet ouvrage de 235 pages écrit par Bayouwa Dimvuezolo, étudiant à la faculté de droit. Son livre renseigne que les langues occidentales tirent leurs origines des langues africaines. À travers son livre, Bayouwa Dimvuezolo plaide pour la révalorisation de nos langues dans les écoles, les universités et autres institutions en vue de véhiculer les savoirs et surtout assurer le développement des Africains. L'auteur du livre tient à la renaissance des valeurs africaines pour un véritable développement intégral. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo au Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Affrontement FRDC 123, riposte de l'armée à l'avancée des rebelles, titre Mediacongo.net. Kasegui s'est réveillé sous les crépitements des balles suite aux affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 lundi 1er juillet 2024. Sous le sceau de l'anonymat, un acteur de la société civile de Roubero renseigne que la riposte des FRDC et les groupes armés d'autodéfense Wazalendo a constitué un bouclier à partir du village de Alimbongo, empêchant l'avancée des assaillants qui viseraient l'Ubero. Bérou, centre et la ville de Boutembo. RDC Boutembo, 3 morts, 5 véhicules et 3 motos incendiées dans l'attaque contre un convoi humanitaire par des jeunes patrouilleurs improvisés, annonce actualité.cd. L'incident s'est produit la nuit du dimanche à lundi 1er juillet à Kiviri, une cellule du quartier Ngingi dans la commune Moussassa, située à la sortie sud-est de Boutembo. D'après Mouindo Zouira, chef du quartier Ngingi, ce convoi humanitaire revenait de Kaina, l'une des communes dernièrement prises par les rebelles du M23 et se rendait à Boutembo. Nord Kivu, les services de sécurité présentent 34 présumés criminels à Goma, note info27.cd. Les services de sécurité ont présenté dans la matinée du lundi 1er juillet 2024 plus d'une trentaine de bandits et d'importantes quantités d'armes et effets militaires
Plus de 8 armes à feu, 11 chargeurs garnis, des tenues militaires, 8 machettes, 4 bêches, 3 matelas, un ordinateur, un téléphone portable et une somme de $300 ont été récupérés. Kinshasa, nécessité de publier une nouvelle grille tarifaire de transport en commun, clame Forum des As. En croire le journal, c'est pour remettre de l'ordre dans la tarification illicite pratiquée par les transporteurs en commun à Kinshasa en RDC. La question a été évoquée lundi lors d'un entretien avec le responsable d'une association des chauffeurs. Il y a nécessité que le nouveau gouverneur de Kinshasa puisse publier une nouvelle grille tarifaire qui va remettre de l'ordre dans la pratique de tarification illicite à laquelle les transporteurs ne cessent de se livrer ces jours. Fin de ce journal coordonné par Doris Mozo-Tamboué, réalisé par Louison Moulongoy et Patrick Bapuila.